Et bien bonjour à tous les Galaxies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, chers Galaxiens, chers Galaxiennes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau gameplay avec un magnifique bus, camion bus, on va dire autocar Magirus M2000. Il est vraiment plutôt cool, plutôt rétro bien sûr. Dans le style, je vous le montre, regardez, avec une demoiselle. Une petite demoiselle à droite, c'est bien ça. Bon, elle est un petit peu cubique, hein, on se croirait un petit peu dans le premier Tomb Raider, tu vois. Mais tout va bien sinon. Voilà, viens voir d'ailleurs la forme des polygones. Non, d'accord, bref, ça commence. Et donc, regardez les amis ce mode qui est juste très spécial. Voilà, oh la voiture qui m'a raclé un petit peu. Regardez-moi ça, il est très spécial, j'ai mis un skin vert, on a le choix des couleurs évidemment dans l'atelier, mais en tout cas il est plutôt sympa, bien rétro comme il faut, et honnêtement, moi j'accroche bien tout simplement à ce bus, regardez, donc ouais, c'est très 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 ancien quand même, ça fait vraiment rétro. Bref, alors en tout cas aujourd'hui on va discuter effectivement des vidéos sponsorisées, on va en reparler parce que j'ai effectivement vécu un petit quelque chose aujourd'hui, ou plutôt hier du moins, avec quelqu'un, voilà, qui s'occupe d'une campagne, du coup, par rapport à un jeu, et je voulais revenir par rapport à ça. Alors attention, zen, je me calme d'entrée de jeu, parce que je suis vénère. Voilà, pardon si je gueule, je suis vénère effectivement par rapport à une chose, et attention, je ne veux pas du tout que vous imaginiez que je ne pense qu'à l'argent ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est un domaine aussi qui peut concerner d'autres youtubeurs qui peuvent être un petit peu dans le même cas, ou alors bah, qui connaissent pas trop, en tout cas vous qui connaissez peut-être pas trop le monde, en tout cas de la vidéo sponsorisée avec les campagnes et ainsi de suite. Alors effectivement, je n'ai pas le droit de vous donner des réels chiffres, hein, voilà, parce que sinon je risque de me faire poursuivre. Mais alors en tout cas, je vous donne une fourchette et voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut avoir avec des vidéos sponsorisées, je vais en reparler et je vais vous parler de ma mésaventure depuis hier. Alors, effectivement, je vous en avais parlé en live, pour ceux qui me suivaient en live sur YouTube ou sur Twitch, effectivement, j'avais prévu de faire une vidéo sponsorisée. Voilà, j'en avais encore jamais fait et j'en ai du coup jamais fait, je n'en ferai jamais. Voilà, vous allez savoir pourquoi. Et du coup, j'ai jamais fait encore de vidéo sponsorisée et je n'en ferai pas. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, c'était un Allemand, du coup, ben, peu importe, hein, une campagne, donc du coup, pour un jeu de sport, donc c'est pour ça que j'avais décidé, voilà, de faire cette vidéo sponsorisée, parce que vous le savez, moi, je ne veux pas vous présenter du contenu, en fait, qui n'a rien à voir, au final, avec ce que je peux proposer sur la chaîne, ou un contenu, voilà, qui n'est pas intéressant ou drôle, voilà. Donc, si je vois une accroche, que ce soit drôle, si je peux faire une vidéo drôle, je le prends, voilà, je fais la vidéo sponsorisée, tant mieux, voilà, ça me rapporte un petit peu d'argent, en plus, pour m'acheter du matos, des jeux, et ainsi de suite, tant mieux, ou, et pour vivre aussi, donc tant mieux, et d'une autre part, voilà, si je peux vous faire rigoler sur un jeu, même si le jeu est pas super, parce que souvent quand on propose des jeux en vidéo sponsorisée, c'est vrai que le jeu n'est pas extrêmement bon, souvent c'est pas du triple A, hein, c'est des jeux, soit des jeux mobiles, soit des jeux, voilà, soit des jeux ordinateurs, navigateurs, voilà, et donc là c'était le cas, aujourd'hui, enfin on proposait, donc je devais sortir la vidéo demain le 24, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par mail, on te dit, pour la campagne, ou du coup par rapport à ce jeu, on te dit, voilà, vous êtes sélectionné, nous allons vous envoyer le jeu, et vous allez nous faire une vidéo. Alors en tout cas, il t'envoie le lien, donc c'est un jeu par navigateur, il t'envoie le lien du jeu gratuit, parce que en fait, il allait avoir la sortie du jeu en version mobile, donc il fallait qu'il fasse la promotion. Oh, bah écoutez, j'accepte, voilà un jeu de sport comme ça, on va pouvoir se marrer un petit peu, les amis, en vidéo, voilà, et je fais une ou deux vidéos, et puis basta, je touche un petit peu d'argent dessus, et tant mieux, tout le monde est content, voilà. Donc, bah oui, vu que je trouvais qu'en plus, en ce moment, sur la chaîne YouTube, je fais beaucoup de vidéos découvertes, donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, il n'y a rien de mal à faire ça au final. Et les vidéos sponsorisées, du moment où t'en fais pas toutes les 5 minutes, il n'y a pas de problème. Tu vois, t'en fais une de temps en temps pour avoir un petit cachet supplémentaire. Il n'y a rien de mal, je trouve, en tout cas, c'est mon avis. Et du coup, je voulais la faire, effectivement, pour le 24. J'allais balancer ma vidéo demain, donc du coup, le 24 juillet, voilà. Et il s'avère que je ne peux pas. Alors, je pourrais l'envoyer, mais je toucherai rien en plus. Où est l'arnaque? Parce que oui, c'est l'arnaque des vidéos sponsorisées. Où est l'arnaque? C'est qu'en gros, on te dit par mail, la première fois, voilà, vous êtes sélectionné, vous ferez une vidéo pour telle date et vous gagnerez tant d'euros CPM pour les 1000 vues. Voilà, le CPM c'est quoi? C'est le coût par mail, ça veut dire, admettons, 20 euros CPM, ça veut dire 20 euros pour 1000 vues. En gros, tu fais 10 000 vues parce que moi, bon, c'est le maximum limite que je peux faire. 10, 20, admettons, tu fais 20 000 vues, allez. Le gros carton sur ma chaîne, parce que quand je fais 20 000 vues, c'est gros carton. Lol. Et voilà, 20 000 vues, imagine, tu fais 20, admettons, le CPM c'est 30 euros. Voilà, parce qu'il y a des campagnes effectivement à 30 euros et même plus. Donc, admettons, 30 euros, les amis, fois 20 000. Alors, bon, on se comprend. Voilà, c'est 30 toutes les 1000. Donc, tu fais
20 x 30. Voilà. Et tu vois un petit peu ce que ça rapporte. Tout simplement. Et c'est plutôt pas mal. On est d'accord, hein, par rapport à ce qu'on peut toucher avec un salaire YouTube classique, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de YouTubeurs gaming actuellement et d'autres hein, font des placements de produits ou tout simplement eh ben, passent par des vidéos sponsorisées pour gagner leur vie. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple que de faire des vues sur YouTube simplement. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut faire un petit peu les deux pour gagner un maximum, ça c'est sûr. Et donc, du coup, je le recontacte pour confirmer donc est-ce que je peux bien sortir ma vidéo sponsor le 24 ? Et le jour d'avant, il me dit « Alors, je crois qu'il y a eu un petit malentendu. » Alors déjà, je me dis « Oh non, qu'est-ce qui va me sortir ?» Parce que oui, en fait, ça fait 2-3 jours que je le relance pour avoir la confirmation que je peux bien sortir la vidéo. Et oui. Et il me dit quoi ? Et il me répond pas. Pendant 2-3 jours, il me répond pas. Il me répond juste un jour avant. Donc il m'a laissé le temps de tourner ma vidéo. Ouais. Du coup, je vous le dis, je la posterai pas. Hors de question que je poste une vidéo avec des connards pareils. Entre nous, hein. Voilà, excusez-moi pour... je suis un peu vénère, je vous l'ai dit. Mais, et du coup, il me dit... oui, alors, il y a eu un malentendu. Effectivement, au final, vous n'avez pas été sélectionné dans la liste de ceux pouvant faire des vidéos sponsorisées. Voilà. Donc, en gros, les mecs, ils te laissent quand même bien le temps de tourner ta putain de vidéo. Je suis vénère. Et... ils te disent après, oui, mais vous ne toucherez rien de notre part dessus. Ok. Eh ben écoute ta vidéo, tu vas te la foutre où je pense. Hein? Ok. Voilà, donc du coup, je refuse de faire une vidéo sur leur jeu. Et du coup, ce que je fais, c'est que je continue le programme comme d'habitude. Ça m'a fait perdre du temps d'ailleurs, parce que j'avais prévu. Donc du coup, je dois refaire une vidéo très rapidement. À la place, bah voilà, à la place, je fais cette vidéo. Tu vois? À la place, je fais cette vidéo là. Voilà. Et j'espère que ça leur fera un petit peu, hein. Bon, même s'ils vont s'en foutre complètement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on était 100 apparemment, donc la boîte avait demandé à 100 youtubeurs de faire des vidéos sponsor sur leur jeu, hein, ce qui est beaucoup déjà. Et ensuite, il ne restait plus que 12 youtubeurs au final sélectionnés. Sauf que, et en plus, vous savez quoi ce qu'il m'a dit? Le mec, il me dit, sur Skype, le mec me dit, oui. Mais je t'avais bien dit de pas faire ta vidéo avant, que rien n'était fait, que rien n'était sûr, et ainsi de suite. Ah bon? Tu veux qu'on aille voir le mail? Non mais le mec il se prend pour qui? Je vous assure que sur le mail, et pourtant c'est un mail professionnel avec tamponné la boîte et tout, hein. Vous avez été sélectionné. La boîte veut que vous fassiez... une vidéo sponsor. Attendez. Est-ce que nous sommes français? Est-ce que c'est français ce que je suis en train de dire? Vous avez été sélectionné. Vous allez. Et ça, c'est partout pareil. Pas que sur YouTube, pas que pour la sponsor. C'est n'importe quoi. C'est de la tromperie permanente. Et c'est énervant. Et il y en a marre. Il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus du tout faire de vidéo sponsorisation. J'ai jamais voulu en faire. Voilà. Je trouve le principe pas toujours propre, même si là pour le coup c'est un jeu qui pouvait être marrant à faire, donc du coup c'est pour ça que j'avais dit oui, mais du coup maintenant ça m'a coupé complètement l'entrain, hein. J'ai vraiment plus envie du tout d'accepter, jamais, voilà, donc du coup laisse tomber, là ils m'ont gavé pour toutes les prochaines vidéos sponsorisées que j'aurais pu éventuellement accepter, maintenant je n'accepte plus, c'est mort, voilà, à part si c'est vraiment un projet avec des français, voilà, avec une boîte française, on se dit tout directement, sans langue de bois, parce que là, franchement, c'était n'importe quoi, et c'était complètement, effectivement, c'était pas un malentendu, hein. Non, c'était pas un malentendu, c'est lui qui l'avait pas précisé, il me l'avait pas dit, parce que moi, quand on me dit, tu peux faire une vidéo sponsorisée, tu la feras pour le 24, moi, écoute, même 10 jours avant, je fais la vidéo, et je l'ai déjà programmée pour le 24, et oui, je suis quelqu'un d'organisé. Attends, tu crois quand même pas que je suis quelqu'un, voilà, qui va faire une vidéo, voilà, allez, vas-y, je fais une vidéo, hop là. Non, faut arrêter, on a... Je sais pas, on fait des vidéos tous les jours, on est organisé. Et eux, ils nous désorganisent un truc de malade, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, franchement. Bon, du coup, voilà, excusez-moi, je suis un peu vénère, c'est pas contre vous, encore une fois, je gueule contre eux. Je sais très bien qu'ils ne verront pas cette vidéo, hein, de toute façon. Et je ne donne pas de nom, je ne donne pas de nom de jeu, ni de boîte, parce que l'intérêt n'est pas de foutre ma merde avec les éditeurs et ainsi de suite. Mais vraiment, c'est hallucinant. Ce genre de choses, je trouve ça hallucinant et vraiment dommage. Voilà, je suis très, 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 très déçu voilà, de ce style de truc. Surtout que, au final, pour moi,
J'ai jamais voulu réellement faire de vidéos sponsorisées, j'en avais parlé plein de fois. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur moyen de faire des vidéos pour ses abonnés. J'avais accepté éventuellement parce que voilà, j'avais envie de me payer telle ou telle chose et je me suis dit allez, ça va peut-être pouvoir me le payer, tu vois, parce que admettons, c'était je sais plus combien ça rapportait exactement, mais en gros admettons 30€ de CPM, hein, toutes les 1000 vues. Si je faisais 10 000 vues comme à l'habituel sur une vidéo découverte où je mets un bon titre et tout, eh bien écoutez, ça m'aurait fait 300€, ça m'aurait remboursé mon portable déjà, tu vois. Donc honnêtement, ça aurait été cool déjà. Hein, tu vois, ça aurait été cool. Et ben non, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, petit coup de gueule par rapport à ça. Je voulais vous en parler parce qu'effectivement, moi, ça m'a un petit peu chagriné. Voilà, et... voilà, c'est dommage. Mais enfin, bon, bref. Hein. Évidemment, les vidéos sponsor, de toute façon, je comptais pas en faire beaucoup. Donc c'est pas un drame, évidemment, vous en faites pas. Mais voilà, pour une fois que j'avais craqué, que je me suis dit, allez, je vais quand même essayer de rentrer dans ce système-là. Mais vraiment une fois, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et ce que ça peut me rapporter un petit peu d'argent quand même, parce qu'on vit de ça. Voilà, c'est vrai que je vous avoue que bah, je suis déçu et je replongerai pas dedans. Voilà, je vous dis franchement, à part, encore une fois, si... Comme je vous l'ai dit, si c'est vraiment... Pourquoi offre de fret? Mais non, je suis con. Faut pas que je prenne une livraison, c'est un autocar, non, mais mon dieu. On va commencer très légèrement, histoire de finir sur le sujet. Et non, voilà, je replongerai pas dedans, à part si vraiment la boîte est française, qu'on arrive bien à discuter avant, qu'il y a vraiment un contrat signé, assuré, que je suis sponsorisé, parce que là, le pire, c'est qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, hein. Tu signes pas de contrat, c'est vraiment... Vas-y, c'est du black, hein. C'est n'importe quoi, hein. En tout cas, moi, l'offre que j'ai reçue, c'est du black. Et d'ailleurs, les amis, je vous l'ai dit, hein, mais dans les 100 qui ont été sélectionnés, qui ont reçu le même mail que moi, il n'y a que 12 qui, au final, ont été tout simplement gardés pour faire des vidéos. Alors, effectivement, quand quelqu'un est comme moi, c'est-à-dire quand quelqu'un fait pas énormément de vues, en gros, tu vois, quand tu es à 2, 3, 5 000, 10 000 vues maximum par vidéo, faut sûrement pas... Alors évidemment, j'ai des vidéos qui font plus, mais c'est les vidéos des découvertes et ainsi de suite. Mais vraiment, voilà, surtout, ne pense pas que les vidéos sponsor sont pour toi. Faut faire plus de vues pour avoir réellement des vidéos sponsorisées. Voilà. Moi, je vous le dis, sur les 100 personnes qui ont été conviées, donc c'est déjà 100 personnes qui ont un minimum d'abonnés quand même, hein, et il n'y a que 12 qui ont été pris. Alors, je connais quelques noms. Alors, je vais pas vous les dire parce que j'ai pas envie de foutre ma merde, mais il y aura quelques vidéos qui vont sortir dans quelques temps, et ce sera sponsorisé. Et moi, je saurai lesquelles, vu que je connais le jeu, je connais... voilà. Et je reçois beaucoup de demandes de sponsor, et pourtant, à chaque fois, on me les refuse après. Voilà. Donc, du coup, les vidéos sponsorisées, c'est mort pour moi. J'essaie de vivre avec ma communauté, j'essaie de vivre, voilà, avec mes vues YouTube. Voilà, on va essayer de faire plus de vues, hein. Écoutez, on est ensemble. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans le prochain Galaxy Time qui sortira, les amis, prochainement. On va reprendre des lives aussi, voilà, bref. En tout cas, magnifique paysage d'ailleurs. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va se prendre une photo. Allez, on se prend une photo, les gars. Voilà, bref. Donc, vous le savez, moi, j'essaye de vivre de YouTube. Voilà, je m'en suis jamais planqué, hein, pour être honnête avec vous. Je m'en suis jamais dit que c'était pas le cas. Bon, du coup, c'est vrai que les vidéos sponsorisées, une fois de temps en temps, ça aurait été une occasion éventuelle pour avoir un peu plus de revenus et pour pouvoir justement compenser un petit peu éventuellement quelques matos. Et hélas, bah écoutez, je remarque que non, je supporte pas ça. Je supporte pas parce que c'est nawak. Non, vraiment, c'est nawak et c'est pas franc. Voilà, le truc, c'est que c'est pas franc. Et du coup, moi, quand c'est pas net, quand c'est pas franc, quand il n'y a pas de contrat, je refuse complètement, enfin maintenant, en tout cas, je refuserai la chose. J'ai fait une connerie, donc du coup, je la ferai plus. Voilà. Écoutez, on fait deux petites photos. J'espère en tout cas, amis, que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je sais que c'était pas un sujet très marrant, très gay, ainsi de suite. J'ai un peu gueulé. Mais vous le savez, j'aime bien pousser mes coups de gueule, ça me fait du bien. Et en fait, vous êtes mon décharge douleur. Voilà. Je vous dis sur Facebook, d'ailleurs, je vous dis, est-ce que ça vous dérange que je fasse comme ça des vidéos où on roule, voilà, avec un mod, etc. Sur OTS2, sur ATS, sur un jeu de bus ou n'importe quoi. Est-ce que ça vous dérange, justement, et je vous repose la question dans cette vidéo, si, voilà, des fois, j'ai envie de partager des sentiments avec vous, des choses qui m'arrivent. Voilà, dites-moi, est-ce que vous aimez ou est-ce que ça vous dérange? Franchement, oh merde, le feu rouge, c'est pas grave. Il va vite, lui, au autocar, vous avez vu ça? On est à combien, là? Attendez. On est à 155? Ok. Ah, quand même. Un autocar à plus de 150 km/h, tu te rends compte? Regarde ça comme c'est ouvert, c'est magnifique, franchement. Madonzère. Voilà. Bref, bah écoutez, je vous laisse, les amis, merci à tous tout de même de m'avoir écouté, je suis désolé pour le sujet. Bon, il y aura des fois des coups de gueule comme ça, parce que c'est vrai qu'il se passe des choses des fois, et c'est pas normal, voilà, donc j'aime bien m'exprimer par rapport à ça. Et je pense que dans la vie, voilà, il se passe pas toujours que des bonnes choses. Faut parler des bonnes choses, certes, faut vraiment être content, être heureux, mais je pense que c'est bien dans ce style de vidéo où vraiment on blablate, de vraiment parler des choses également qui sont un peu moins normales sur YouTube ou même dans la vraie vie.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, les petites vidéos comme ça, blabla, débat. Donc n'hésitez pas à réagir à ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, même si vous ne connaissez peut-être pas trop l'univers des vidéos sponsorisées et ainsi de suite, je pense que c'est quand même assez énorme le fait de te dire par mail tu et de t'affirmer que tu vas avoir une vidéo sponsorisée et au final de te dire voilà, non, au final, non. Voilà. Donc bon, tant mieux en plus parce que leur jeu, j'hésitais tout de même à le faire parce que c'était un peu de la merde. Voilà, alors effectivement, j'aurais pu très bien faire une vidéo, mais ça aurait été sur le ton comique du coup, un peu plus sur le ton comique, parce que vous le savez, les vidéos sponsorisées, on est un peu obligé, pour beaucoup de jeux, de le faire sur le ton du comique, pour ça que Squeezie passe très très bien, et d'autres évidemment dans ce domaine-là, parce que justement, c'est toujours comique, ou en tout cas, ça se veut à caractère comique pour les plus jeunes, et etc. Mais, vraiment, le problème, c'est que c'est pas honnête. C'est que c'est pas honnête pour tout le monde. Voilà, il y en a 12 sur 100 pour qui ils ont été honnêtes. C'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là, la police. Je vous laisse là, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo sur ETS2 avec l'autocar. Il est super beau. Allez, portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde.